Bonjour, bienvenue dans la maison des maternelles ou rebonjour si vous étiez avec nous dans le journal de la maison des maternelles à 9h avec Benjamin Muller. J'espère que vous allez bien et moi je vais bien parce que je suis avec Auguste et sa maman. Bonjour Auguste. Bonjour Agathe. Bonjour, Bonjour oui. tout le monde. Oui. Et il se dit qui est cette grande blonde que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, enfin un peu de la télé peut-être, oui. qui me parle comme ça euh, Alors, Guillemette. Euh, Auguste, il fait son adaptation en crèche en ce moment même. Exactement. Comment va le cœur de la maman, parce que c'est ça qui est. Eh ben, je crois que c'est le cœur de la maman qui bat plus fort que le cœur <laughs> d'Auguste. Euh, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc euh, super équipe. Ouais. On est tout de suite rassurés en fait. On arrive en dans ça. la crèche parce que ce sont des professionnels et on sait qu'on y est entre de bonnes mains. Voilà. Mais on se pose quand même pas mal de questions en amont. Avant d'arriver euh, à la crèche, euh, tous les mois, à partir du moment où vous déposez un dossier de demande de place en crèche, on se pose énormément de questions. L'estomac se serre, le cœur euh, aussi. Voilà, si son rythme va être respecté. Ouais. Si, Et euh... vous savez quoi, Guimet, ça se euh, prépare. Donc euh, on va en parler tout à l'heure avec le docteur Pförsdorff. Alors toi, tu voulais, Auguste, une fiche Tout à l'heure, tiens, je te la donne si tu... ouais. Voilà. Celle-ci, j'en ai plus besoin. À tout à l'heure, Guimet. À oui, tout à l'heure, Le docteur Pförsdorff, qui est évidemment autour de la table. Euh, comme euh, chaque dans la mercredi, bouche, hein. directement dans la bouche. Oui, ah, directement dans ah bah la bouche, oui. c'est normal. Ah bah oui. C'est comme ça qu'on oui, arrive. C'est leur sens le plus oui. développé, non ah Oui, Direct. C'est pour ça qu'ils mettent oui. tout à la bouche mais comme oui. ça. Oui. Bon. Euh, Arnaud, donc vous avez déjà été pédiatre en crèche, vous qui avez été pédiatre partout. Oui. Ah bon, mais vous Je avez... suis toujours. Oui, vous avez oui. déjà été peut-être dans, deux, dans deux, une crèches. bibliothèque, <laughs> dans, dans le métro. Dans un... Vous déjà été pédiatre d'autoroute, <laughs> pédiatre à être emploi à un avion, à oui. Un avion. Pour savoir. Euh, mon petit Marie Van den oui, comment oui. allez-vous Donc vous allez bien. parler vous des jouets premier âge. Hein. Oui, des jouets premier âge et en fait je trouve vraiment super. Donc je vais repartir avec. Mais oui. <laughs> Depuis tout à l'heure elle est là. Oui, actuelle. écoutez, oui. toutes ces petites oh. balles sensorielles me réjouissent. Et vous. Et vous, vous avez une mission énorme ouais. dans cette émission. Ce vous sera de supporter prénom du jour. <laughs> Vous supporter et de vous donner un prénom du jour, une idée de prénom. Si vous cherchez actuellement, enfin, vous m'avez compris, ouais, quoi. Ouais. Vous cherchez un prénom en fait, je jour. le gars, vous une, une, une phrase à dire, c'est chercher. Et puis, bah, ah, je veux rien dire. Non, et il est bien ce prénom pas euh, Vous verrez. non mais on vous donne des idées, c'est ça qui est nous. Très bien, très bien. Prénom de fille, allez, en dis un peu Bon, plus. alors vous le savez, le mercredi, euh, là je, je, je fais tourner les serviettes et je mets les sirènes on aura toujours un grand témoignage, un grand témoignage bouleversant. Euh, et on va se concentrer sur ces témoignages qui nous ont parfois marqués parce qu'on a rencontré ces euh, euh, mamans ou ces papas dans des émissions précédentes ou parce que tout simplement vous nous avez contactés parce que vous avez eu envie de raconter votre histoire. Aujourd'hui, on va. Accueillir Laetitia, une jeune femme qui a vécu fausse couche sur fausse couche. Elle a vécu plus de dix fausses couches, je ne sais pas si vous imaginez. Une fausse couche, ça en fout, mais alors vraiment, voilà. Elle a jamais lâché, elle a toujours voulu avoir son enfant. C'est un message plein d'espoir puisque son bébé est dans les bras. Vous pouvez réagir évidemment sur vos réseaux préférés, n'hésitez pas, parce que nous, on adore avoir vos messages. C'est l'heure tout de suite de partager avec Laetitia. Bon, Alors, moi déjà, je suis hyper contente parce que je vois qu'il y a le petit bébé oui. dans les bras de Laetitia. On se connaît, Laetitia Oui, alors, vous tout vous fait. Venue, il y a deux ans. Il y a deux ans, oui, Et voilà. Donc, euh, c'était un peu compliqué parce que vous oui. étiez venue nous raconter encore, euh... vos 13 fausses couches consécutives. Oui. Euh, et il n'était pas question, et déjà on le sentait à l'époque, pour vous de renoncer à être maman. Tout à fait. Ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué, et vous avez bien fait puisque donc il y a Liana elle a quel âge Elle ben, trois mois. On peut appeler, on peut appeler Liana un bébé miracle. Oh oui, oh oui. On peut le dire. Alors, il faut dire que la fausse couche, c'est un événement très fréquent. Hein, quasiment euh, toutes les femmes le vivent, puisque au moins une femme sur huit le vit. Et parfois, il paraît même qu'on ne s'en rend pas compte, oui. mais qu'on mais qu le vit. Euh, alors, racontez-nous la première fois que vous avez voulu être enceinte, comment ça s'est passé Donc, bah, tout simplement, on arrête le moyen de contraception. Mmh. Et puis, euh, là, je, voilà, on, ça ne revenait pas le, le cycle. Et j'ai fait une prise de sang et j'étais positive directement euh, après. Donc, donc ça a été un peu le choc, très, très oui, tout de suite euh, après l'arrêt de la pilule, et euh, bah, c'était le gros choc parce qu'on ne s'y attendait pas, on pensait que c'était que dans les films <laughs> que ça marchait mmh. comme ça, et, euh, et puis là bah, voilà, on était content, on se dit bah, dans 9 mois il y aura le, le bébé qui sera là. Et vous avez eu une fausse couche ouais. déjà Assez précoce, euh, à 4 semaines de grossesse, donc euh, bah, là, on ne s'y attendait pas du tout, euh, c'est vrai que personne dans l'entourage en, en parle, donc euh, ça a été compliqué un mmh. petit peu à gérer. Et puis deuxième tentative, deuxième fausse couche, voilà, troisième rien, tentative, troisième fausse couche. On parle de fausse couche à répétition à partir oui. de la troisième fausse couche consécutive. C'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué à ce moment-là justement avec la troisième fausse couche Rien, <laughs> non, du, rien tout. du tout. Que, en fait, comme elles étaient très précoces, donc c'était Maxi, euh, oui, quatre semaines de grossesse jusqu'à la huitième. Euh, donc en gros, c'est tellement tôt que bon, ils disent qu'il faut continuer. Dans le taille, il y en aura un qui sera, qui sera bon. Pour le guillemets. moment, on se dit malchance quoi. Donc, voilà. Après, il y a eu des examens de fait euh, tout de suite au bout de la troisième fausses couches, mmh. mais il n'y avait rien de, de prouvant. Euh, On vous a rien dit, vous avez rien à tout parlant, va bien, oui. ce qui remonte plutôt le, le moral. Oui. Euh, et ce qu'il ce qu faut dire aussi, c'est que par la suite, vous n'avez jamais eu aucun problème pour tomber enceinte. Non, ça, a ça, ça, très, très vite, oui, vous. tout à fait, tous les 2-3 cycles à peu près, euh, j'étais enceinte. Oui, mais donc ça veut euh, dire que euh, si vous tombez enceinte tous les 2-3 cycles, vous faites aussi des fausses couches tous les 2-3 <laughs> cycles, <rire> donc ça c'est quand même oui. très compliqué. Oui, surtout qu'un précoce, c'est vrai que c'est tout mmh. le temps, euh, c'est constant quoi. Alors là, on est à votre huitième fausse couche, euh, qui a été un tout petit peu plus tardive, oui. donc plus particulièrement difficile à vivre. Et euh, justement, vous nous en aviez parlé à l'époque dans l'émission. Je vous propose de revoir ça votre marche. témoignage. Premier embryon, donc là, bon, on relâche un peu la pression. On se dit que peut-être, enfin, ça va être ma chance. Et puis, euh, bah, bon, après, j'ai fait des échographies. C'est-à-dire bon. qu'en fait, quand vous dites premier embryon, c'est que vous avez pu entendre un cœur. Voilà, en fait. oui, oui. Puis visible, on voit que ça grandit. Ça allait à peu près. Et euh, puis après, l'échographie, bon, bah, ça s'est arrêté. Et, sauf que là, ils ont essayé donc, de faire partir par un médicament. Et ça s'est très, très mal passé. Euh, donc niveau douleur, c'était insoutenable. Ouais. Et on a été aux urgences. Et puis les urgences, ils m'ont laissé dans un couloir mmh. à faire mes contractions toutes les deux minutes. Euh, dans le couloir, sans médicament, sans rien, avec les gens qui passent. Quoi. Donc ah là, ouais. c'était très, très dur. Ça, c'est terrible. Okay. Oui, oui, oui ben forcément, ce sont des parcours qui sont extrêmement oui. douloureux. Toutes les femmes qui ont vécu des fausses couches savent déjà qu'une fausse couche, c'est un bouleversement. Euh, psychologique, mais aussi hormonal. Il hein, faut aussi oui, penser aussi. que physiquement, ça doit être très très dur à vivre. Euh, du coup, ces fausses couches à, à répétition, ça a fragilisé votre Tout à fait. votre couple. Oui Parce que mon conjoint on avait un petit peu assez qu'on s'obstine euh, comme ça. Le médecin, c'est vrai qu'il disait euh, faut continuer parce qu'on va y arriver à un moment donné. Et au bout de la onzième, il a dit faut que tu arrêtes euh, Tu seras peut-être jamais maman. Faut que tu te fasses euh, à l'idée. Et en fait, c'était pas possible. Donc, euh, je me suis séparée. Mmh. Parce que le but, c'était vraiment euh, bah, le but de toute une vie, quoi. C'est fallait, oui, oui. qu fallait que je très, très, Oui, vous, depuis toute petite, vous aviez vraiment une envie de maternité très très forte. Alors vous rencontrez ensuite votre, euh, votre nouveau conjoint qui euh, a déjà deux enfants, oui. lui. Vous faites une nouvelle fausse couche euh, après, laquelle, après laquelle on peut dire que euh, les choses changent parce que vous développez. Euh, je dirais, peut-être pas une jalousie, mais en tout cas, la vue d'une femme enceinte, ça veut dire que c'est usant de voir les, bah, les mamans qui sont heureuses et que nous, on, on attend que ça, ça arrive, mais ça ne veut pas. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'à force, on devient jaloux et ça, c'est difficile parce qu'on ne se reconnaît pas. Donc, euh, j'ai trouvé ce moment plus, plus dur que, que finalement euh, le temps qui passe. Et euh, voilà, c'était la jalousie, je ne me reconnaissais pas. Euh, et ça, et vous dur. étiez tombée enceinte parce que vous l'aviez voulu. Vous avez tout de suite demandé à votre conjoint. Alors il savait mon histoire. On se connaissait depuis quelques années déjà. Donc euh, j'avais demandé si tu veux pas d'enfant, on cherche pas. Mm -hmm. <laughs> mais euh, il connaissait donc euh, voilà, il était partant. Mais là c'était une, une grossesse euh, surprise parce que c'était un peu tôt dans la relation. Oui. Et euh, bah, on s'est dit peut-être que finalement bah, c'est ma chance d'être maman parce que l'embryon se développait. Donc euh, on s'est dit bon c'est une surprise. Allez. <laughs> Nouvelle vie, bah, voilà, euh, Peut-être que. Et puis bah non. Malheureusement. non. Et là, alors du coup, cette fausse couche, elle s'arrête. Enfin, ça euh, a pris 6 semaines de grossesse mm -hmm. euh, avec un curtage, sous anesthésie locale. Donc, euh, voilà, après... Euh... Évidemment, le problème, c'est qu'on est généralement euh, confronté à des, à des femmes dont les bébés... Euh, Mais c'est quand dire... on apprend que le cœur est arrêté, bah, après on nous met dans une salle d'attente, et là, il y a les mamans qui sont prêtes à accoucher, les monitoring. Donc là, c'est difficile parce qu'on nous, on pleure et voilà, et là, elles attendent, elles sont contentes, elles ne comprennent pas et voilà. Ça serait bien d'avoir une salle à côté pour les personnes qui, mmh. qui vivent ce genre de choses. Et du coup, est-ce que euh, fausse couche après fausse couche, après tous ces, toutes ces déceptions, est-ce qu'on a de plus en plus de mal à y croire Oui, ou que... oui. dès le début finalement, enfin au bout de peut-être, les 5, j'ai commencé à avoir moins d'espoir. À chaque fois que le test était positif, on se dit bon, ben, on verra, mais on s'attend quand même à la chute derrière. Oui, parce on que vous, protège. vous aviez quand même... Euh, c'est toujours cette volonté oui, très, très Oui, c'est ça, quoi. Euh, c'est beaucoup d'angoisse aussi, j'imagine, oui. à répétition, parce qu'à chaque fait. fois que ça marche, ben, on, on s'angoisse. Voilà, il y a l'espoir et puis il y a la peur. Est-ce que ça va marcher On avance jour après jour, puis on attend quand même la chute, mine de rien, on se prépare pour moins souffrir possible. Alors, il faut dire aussi que donc jusqu'à très tard, vous saviez pas pourquoi oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a un moment, on se dit, bon, quand même, j'ai fait 11, 12 fausses couches. Euh, et on n'est pas forcément capable de donner les, les causes. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, elles peuvent être multifactorielles, hein, anomalies crozo, crozo, chromosomiques, si vous y de placenta, etc. Comment, euh, où est-ce que vous allez chercher l'espoir J'allais euh, bah, toujours au rendez-vous avec le médecin. Et lui, par contre, il voulait absolument avoir un embryon à analyser. Donc, il euh, fallait s'obstiner, en fait. Pour lui, il fallait continuer parce qu'il fallait que je. Vous étiez bien accompagnée quand même par oui, le corps médical. Quand même, oui, oui. Et euh, oui. Ben, je me disais, si lui ne me dit pas je ne vais pas être maman, il faut, faut que je continue aussi. Est-ce à ce stade, quelqu'un vous a dit ça va être quand même compliqué Après, Ou oui, il y a toujours un peu l'entourage. J'ai dit maintenant, euh, tu as fait quand même un tas de fausses couches, il faut peut-être t'arrêter, tu te fais du mal à ton corps, le moral aussi. Mais ça, bizarrement, j'étais plutôt solide sur le moral. Je ne sais pas où je l'ai cherché. <laughs> Vous sentiez les, les, les ascenseurs hormonaux ah oui, en Enfin, Oui, parce que forcément, alors je ne sais pas si c'est hormonal ou pas, mais on a d'espoir après sa rechute parce qu'on est déçu, après on a la douleur. Ça fait beaucoup. Mmh. Ça fait beaucoup à gérer quand même. Vous êtes beaucoup informée à l'époque Est-ce que vous avez des outils pour essayer de comprendre après, que oui. Vous allez beaucoup sur Internet Internet, oui. <laughs> Internet quelques livres aussi. Euh, je cherchais voilà, s'il euh, y avait d'autres mamans pareilles, euh, d'autres femmes. Moi, j'ai commencé à en parler beaucoup aussi. Et ça a aidé. Euh, j'ai aidé d'autres personnes. Donc, ça m'aidait aussi à passer oui. ça. Euh, C'était un psy virtuel. <laughs> oui, c'est ça. Alors, après votre 13e fausse couche, qui a été, il faut le dire, quand même particulièrement éprouvante, là, vous avez tapé du poing sur la table et vous avez dit, là maintenant, c'est pas ça possible. <laughs> non, on a dit au médecin que euh, c'était bon, on n'allait pas en faire 30 comme ça, euh, que le corps, bah, c'est dur. Pourquoi est-ce puis... qu'elle a été plus éprouvante que les euh, autres cette... Donc en fait, on a essayé de... Comme elle a été rapprochée par rapport à la 12e, il fallait prendre les médicaments. Donc déjà, psychologiquement, c'était dur parce que ma 8e était sous les médicaments et j'avais vraiment souffert euh, le martyr. Et là, je ne voulais pas, donc je l'ai fait quand même. Ce n'est pas parti. Donc il a fallu, euh, après, attendre un mois, selon le gynécologue, et j'ai fait une hémorragie. Donc, curtage en urgence, et ça a été un peu, euh, voilà, un peu traumatisant. Euh, je me suis dit, mince, je me fais du mal aussi, à force. Mmh. Donc, euh, après, on a dit au médecin, ça suffit, On faut tester une fiv. Euh, pourquoi on ne teste pas Oui, c'est ça, après oui, très fausses couche s'il euh, voilà. vous plaît. Ça. Et alors, du coup, c'est grâce, euh, finalement, à ce, ce parcours PMA que vous avez pu, enfin, euh, poser un diagnostic sur ces fausses Qu'est-ce qu'on vous a dit Alors, on a fait cette fiv avec analyse d'ovocytes. Donc, ça ne se fait pas partout, là, c'était à Poissy. Mmh. Et euh, donc sur le, le nombre d'embryons que j'avais qui était déjà intéressant, mais il y en a eu euh, 11 de mis à la poubelle sur 13 par, ah, pour oui. problème chromosomique. Donc, donc, euh, déjà. En, voilà, donc en gros ils analysent 5 euh, chromosomes seulement et bah, toutes étaient euh, être Et c'est dû, euh, dû à quoi On ne sait on pas. pas, donc c'est euh, un peu insuffisance ovarienne euh, en gros précoce. Mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas expliquer d'où c'est venu. Est-ce que c'est dans ma jeunesse J'ai peut-être trop de médicaments. On ne sait pas. On ne sait pas. Non. Et alors la fille va marcher tout de suite Et Non, <laughs> malheureusement. Il y a eu deux embryons. Euh, premier transfert, euh, ça n'a pas pris. Donc, euh, là, c'était un petit peu choquant parce que je me suis dit, vu que je tombe enceinte naturellement, là, avec l'aide médicale, euh, peut-être que ça va marcher, mais pas mmh. du tout. Il n'y a même pas eu une accroche. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est une mauvaise qualité, je pense. C'est euh, la douche froide euh, ouais, supplémentaire. Ça vous dire, <laughs> si ça, ça marche pas. Oui. Mais vous n'avez pas renoncé. Et non. <laughs> c'est ça qui est fou, c'est que franchement, il y a une envie d'être maman qui est qui est tellement forte. Alors du coup, vous avez euh, choisi de vous diriger vers une autre technique de, oui. de PMA, la FIV avec don de oui. Est-ce que vous aviez des, des appréhensions Quels étaient vos, vos questionnements avec votre conjoint euh, Déjà, le fait de ne pas voir la, la donneuse. Physiquement, parce qu'on n'a pas le droit. Euh, ça, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, euh, est-ce que le bébé va me ressembler un tout petit peu mmh. Donc, on explique que c'est une donneuse, c'est une autre femme oui. qui donne son nouveau site, vu tout que la vôtre était un petit peu défaillante. Oui. Euh, et parce que vous étiez tout à fait habilité à porter un enfant. Voilà, hein, en il n'y avait pas, a priori, pas de problème. Enfin, mmh. euh, J'avais fait une biopsie d'endomètre juste avant. Et on avait détecté un autre problème, euh, quand même. C'est une sous-activité immunitaire. Donc, ça pouvait rejeter en plus peut-être les bons embryons. C'est ça, donc c'est comme ça une maladie auto-immune, de... quelque part. Quoi. -à il faut le soigner, il voilà. enfin, faut des médicaments euh, pour aider. Et alors, donc, vous vous demandez, vous posiez beaucoup de questions sur, euh, sur la donneuse, c'est ça qui vous, oui. vous stressait, sur le les ressemblances possible, ben, La ressemblance, puis après, comment expliquer au bébé plus tard euh, que cette personne, elle a aidé, comment elle est, les questions qu'elle aura plus tard, euh, c'est mm -hmm. vrai que je me le demandais. Donc c'était un petit peu stressant sur le coup. Puis est-ce que ça va marcher aussi Parce Bien y a sûr. le côté financier, euh, c'était compliqué donc, si ça ratait, je me suis dit, comment on fera Alors, du coup, vous êtes, vous êtes allé où Parce qu'on rappelle que c'est un a... peu compliqué oui, très... en France. <laughs> donc, euh, en France, c'est très long. Il faut attendre à peu près trois ans. Il y a ans, beaucoup moins de donneuses. Voilà. Et euh, donc là, on a décidé d'aller en République tchèque, à mm -hmm. Aslin, Az pardon, euh, moins cher que l'Espagne. Et vraiment, tout pareil. Le niveau médical, euh, enfin, pour nous, c'était au top. J'ai trouvé euh, vraiment bien. Alors, une donneuse a été trouvée très rapidement. Oui. <laughs> euh, et puis, une fois sur place, de nouveau oui, <laughs> Donc on avait plusieurs couples français là-bas en même temps que nous, et tous ont eu entre 4 et 6 embryons, donc avec une chance supplémentaire en congelant les embryons surnuméraires. Mmh. Et nous, on n'en a eu que deux. Et à la base, on voulait transférer les deux, et là, ça a été le gros doute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en fait qu'un avec le risque que ça ne marche pas et de revenir, mais c'est un budget, ou bien de mettre les deux et ça ne marche pas, euh... il y a plus d'embryons C'est fini, ouais. parce que moi, je savais que je ne pouvais plus refaire un autre don de vos sites avec les moyens financiers. Donc vraiment une grosse peur, euh, voilà. Puis euh, on a joué le tout pour le tout, euh, on a mis les deux. Et il y en a un qui s'est accroché, <laughs> voilà. voilà. Euh, voilà euh, Alors on va parler un petit peu de la grossesse, c'est vrai que j'imagine que vous avez été très très heureuse. Oui, tout à qu'il Il y en a un qui prend, c'est formidable. Euh, mais est-ce qu'il y avait, enfin je pose la question, je connais la réponse, est-ce qu'il y avait de l'appréhension Est-ce que vous aviez Beaucoup. J'ai vraiment pas bien vécu la grossesse. Je regrette, mais on le sait. Enfin, je le savais, parce qu'on nous dit toujours de profiter, mais c'était impossible en fait. Chaque moment était une angoisse. Vous avez eu beaucoup d'échographies, beaucoup oui. de surveillance euh, jusqu'à à peu près huit semaines de grossesse. J'ai eu une par semaine. Donc entre quatre et huit semaines. Parce que vous avez jamais dépassé, les quoi Les six les semaines, hein, c'est ça Oui. Donc la sixi... enfin, sixième euh, à l'écho de les... des six semaines, là ça a été dur. Mmh. <laughs> Parce que pour moi c'était fini, je me suis dit euh, ben, on va y aller, ça y est, le cœur il sera arrêté. Euh... Donc j'étais pas très bien. <laughs> et dès que j'ai vu le bébé, j'ai dit euh, mais non, le cœur il est là. Et puis euh, je me suis crié euh, il est géant. <rire> et <rire> vous n'aviez euh, jamais ouais, vu un aussi ça, grand C'est oui. Parce en fait, que tout le temps c'était vraiment anormal on va dire. Et là c'était un bébé euh, normal. Donc le médecin a rigolé en disant mais non c'est un embryon tout à fait normal. Oui d'ailleurs on voit le petit bébé euh, qui ah bah oui ça pousse. Voilà vos échos et donc ça c'est vrai que quand on voit ça on se dit bon allez ça y est, quoi. est moment, on a passé, on a passé ouais. un stade. Euh, Est-ce que vous avez pu quand même vous investir au deuxième trimestre? Euh, au milieu du deuxième parce que en fait au début j'ai eu peur des malformations mm -hmm. <laughs> forcément parce que je j'avais pas trouvé le médecin qui était très euh, comment dire qui rassurant. Donc, elle euh, m'avait dit, on attendra, on voit ce qu'on voit là, à ce moment-là, donc il faut attendre. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu cette angoisse-là, euh, ouais, si ouais. ça se passe mal, comment je vais faire Et après, ça a commencé à aller mieux. Ouais, alors, a dit, euh... Mais alors, l'échographie, là, on l'a vu, j'imagine que euh, ça, c'était un, enfin, bon, un soulagement. Et puis, il y a eu une autre joie au milieu, quand même, de toutes <laughs> oui, ces angoisses. Un petit bonus, <laughs> bonus c'est qu'on vous a dit si c'était un garçon ou une fille. Oui. <laughs> vous vouliez une fille, absolument alors, Quand j'étais jeune, oui. Après, avec tous les soucis, franchement, je m'en moquais vraiment. C'était garçon-fille, du moment que c'était en bonne teintée. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'était le petit plus, c'est vrai. <laughs> Est-ce que ça vous a aidé, justement, le fait de savoir que c'était une fille ouais. à, à créer le lien Je me suis rendu compte que là, ça y est, la grossesse, c'était vraiment réel. Le bébé, donc c'était officiellement. Euh, ça aurait été garçon, c'était pareil. Hein. Mais c'était officiellement une fille. Euh, je me suis projetée un peu plus. Elle est incroyable, cette échographie. Hein. Échographie en 3D, c'est ah, incroyable. Oui, ils ont bien bossé. <laughs> c'est le portrait craché. <laughs> oui, c'est vrai, c'est marrant. Et, et alors, du coup, euh, en préparant cette émission, vous nous avez parlé aussi d'une angoisse qui a refait euh, surface qui concerne votre maman. Oui. Vous pouvez nous en parler. Tout à fait. Donc, deux ans avant moi, elle a perdu mon frère à huit mois de grossesse, donc 37 euh, mm -hmm. semaines d'aménorée. Et euh, moi, deux ans après, j'ai failli mourir aussi à 37 semaines. Donc, c'est vrai que là, je me suis dit, tout jusqu'au bout arriver, Vous approchez de, euh, de, donc voilà. de ce cap-là. Alors, la gynéco avait prévu quand même de faire une césarienne à 37 semaines, par sécurité, puisque pour ma maman, on ne savait pas trop les, les soucis. Mm -hmm. Donc, on. Dans le doute. Dans le doute voilà. oui. Et euh, bah, c'était prévu à 37 et puis finalement, <laughs> on n'a pas été jusque-là. <laughs> mmh. euh, 35 semaines, c'est ça, la, oui, la de césarienne Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez pu la voir euh, 35 quand... semaines d'améliorer, pardon. D'améliorer, oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez pu la voir, euh, Liana, quand elle est quand euh, ils l c... sortie de votre ventre Non, ça a duré une seconde. Elle est partie tout de suite parce qu'elle avait des petits soucis euh, respiratoires. Et je l'ai vue que 24 heures plus tard parce que moi j'ai eu des problèmes aussi. Euh, j'ai fait une préclampsie. Aïe. Donc, euh, c'est vrai qu'on prévient vous pas. On ne vous a pas épargné, vous voyez, Non, jusqu'au jusqu bout. bout. <laughs> là, ça va maintenant. <rire> <rire> on souffle. Mais euh, voilà, on, je ne savais pas trop. Euh, avec le don aussi, on a plus de risques de faire une prééclampsie. Donc, euh, problème de tension, les reins qui, qui lâchent, euh, c'est risqué pour le bébé après. Donc, là, elle est sortie vraiment en urgence. Et après tout ça, donc on s'est dit 13 fausses couches. Euh, euh, un parcours PMA qui, ouais, quand même, qui vous a donné euh, quelques stress, euh, des fives qui ne marchent pas, une préclampsie, euh, une césarienne euh, <laughs> un peu prématurée. Oui. <laughs> euh, comment est-ce qu'on arrive à créer le lien avec son bébé, à sentir maman, à forcer quand en plus c'est un don d'ovocyte Est-ce que tout de suite. Alors, euh... Sur le coup, j'ai euh, bah, pendant les 24 heures, mm -hmm. je n'avais pas l'impression d'avoir accouché, donc là ça a été un peu difficile. Euh... Je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est un don aussi J'ai eu peur de, de cette réaction, puis en fait, non, pas du tout. Mm -hmm. Et quand je l'ai sortie de la couveuse, petit bébé, j'ai eu peur de la, de la faire tomber, de la casser tellement elle était petite. Là, je me suis dit, c'est ma fille. Et même encore, quand on me dit, c'est ta fille ou tes maman, ça me fait drôle. Mm -hmm. C'est dur de, de passer, ça y est, c'est terminé, le 5 ans d'épreuve, terminé. C'est pas évident. Oui, c'est. On profite, hein. Y ça pas de y est, c'est derrière vous, <laughs> Voilà. Quoi. C'est ça On peut qui tourner est formidable. une page, une grande page. Bravo, merci, merci. mille fois d'être venu dans la Ça me fait maternelle. vraiment plaisir. On est très heureux de prendre de vos nouvelles et que les nouvelles soient aussi bonnes. que n'a pas monté. Voilà. Bébé heureux. Euh, on vous souhaite vraiment une belle vie, avec Liana. Vous Merci. viendrez nous donner des nouvelles. Hein. Avec plaisir. Voilà. Alors <laughs> je vais rejoindre euh, tout le reste de la bande. Et il y a docteur Arno Pforzorf aussi qui va nous donner plein d'infos. Alors ah, vous l'avez rappelé, bien. Agathe, les, les fausses couches sont extrêmement fréquentes. Elles touchent une femme sur huit, ce qu'on sous-estime bien sûr. On estime que chaque année en France, 200 000 grossesses se terminent par une fausse couche. Il y a autre point à rappeler qui est important, c'est à partir de trois fausses couches consécutives que l'on parle de fausse couche à répétition, différents examens sont mis en place pour essayer d'en déterminer les causes. Ces causes sont d'ailleurs souvent multiples et difficiles à identifier avec précision. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver un dossier spécial très complet sur le sujet sur le site la maison des maternelles.fr, également quelques sites qui peuvent aider les couples en difficulté, euh, comme SOSBB, qui est un portail d'information et un service d'écoute gratuit où la, euh, la souffrance des hommes confrontés à la fausse couche est également abordée. On peut aussi parler du site de, 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 de l'association. Agapa, toutes les adresses s'affichent en bas de votre écran, qui propose accueil, écoute et soutien. Des groupes de parole sont mmh. organisés notamment à Bordeaux, Paris, Clermont, Ferrand. Voilà. Oui. Il y a aussi des livres sur le sujet. Quel âge aurait-il aujourd'hui Le tabou des grossesses interrompues du psychiatre Stéphane Clerget. Il y a vraiment beaucoup de témoignages sur les interruptions volontaires de grossesse, sur la mort in utero aussi et sur les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur la femme et son entourage. Également, le livre de Nathalie Lancelin-Huin Traverser l'épreuve d'une grossesse interrompue. Il n'y a pas une foultitude de livres sur le sujet, mais en tout cas, ceci mérite d'être. Noté. Mais voilà. il y a une page, une page Facebook aussi qu'a créée Laetitia qui s'appelle Mes étoiles et mon futur que vous pouvez aller consulter parce que c'est vrai que dans ces moments-là c'est très important d'être entouré de partager aussi et les réseaux ont ça de bon qu qu'on peut partager avec des gens qui sont même très très loin. Dans votre, dans votre pratique de pédiatre docteur, vous avez remarqué que les parents qui ont eu un parcours difficile comme Laetitia euh, euh, sont peut-être un petit peu plus fusionnels avec leur enfant ou pas Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir ce genre de parcours difficile C'est sûr que ce n'est pas à tout le monde que ça arrive et c'est sûr qu'il y a une projection qui se fait mmh. sur l'enfant à venir, l'enfant à naître, sur le... y a... ça dépasse le désir d'enfant, on n'est plus dans le désir d'enfant, on est dans la est-ce que je pourrais en avoir un Est-ce que la nature me, me dote suffisamment pourquoi, pourquoi moi je pas Pourquoi les autres y arrivent comme ça c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a un surinvestissement, c'est certain, qui est tout à fait compréhensible. Moi, je vis des situations, pas forcément comme celles qu'on vient de voir, mais de fausses couches, où ça a été difficile une première fois, une deuxième fois, enfin, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'une fois que le bébé est là, il y a tout un travail d'attachement-détachement, mmh. j'ai envie de dire. On s'attache à l'enfant, c'est si sûr, mais en même temps, il faut aussi savoir laisser l'enfant progresser par lui-même. Il ne faut pas en faire trop non plus. Et pour la maman et pour le papa, bien entendu. Et ça, c'est quelque chose qui va se caler, qui va s'établir dans les semaines qui vont suivre la naissance. Donc je crois que là aussi, il ne faut pas se poser trop de questions. Une fois que le bébé est là, et elle, a, elle en a très, très bien témoigné, c'était très émouvant, euh, on est dans une autre étape. Alors qu'est-ce que vous conseillez précisément pour ces parents-là est -ce qu est -ce, Comment est-ce qu'ils peuvent euh, agir concrètement je dirais qu'il faut mettre le paquet sur le sensoriel. Et le sensoriel, c'est le toucher de l'enfant, c'est le portage, c'est l'odorat que déjà le prématuré a, euh, c'est la vue qui se développe. Et c'est occuper cet espace, et après, le, le bébé, dans sa croissance, il en fait ce qu'il veut. Ça veut dire faire déjà confiance à son bébé, et tout ça est derrière. Est ça. Et tout ça est derrière. Il faut, mais évidemment, il faut faire confiance à son bébé, ça, c'est ah, très mais oui. important. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut parler à son bébé. Moi, il y a 30 ans, je disais pas ça. On savait pas tout ça. On a beaucoup évolué dans ce domaine. Il faut parler à son enfant. Il faut lui dire, voilà, il est arrivé ceci. On va pas y revenir toutes les cinq minutes, bien sûr. Mais expliquer pourquoi cela, pourquoi il y a la lumière qui éblouit, pourquoi il y a du bruit, pourquoi, quand il sera plus grand, on lui expliquera, bah, tu es venu un peu plus tôt. Ce sont des choses qui arrivent. L'explication, même si l'enfant n'a pas encore le langage, est extrêmement importante. Merci Arnaud. Vous savez quoi? Je ne peux pas me passer de vous. Donc je vous prends par la main, nous faisons quelques petits oui. pâches assez volants. Voilà. Et nous allons rejoindre Guillemette et Auguste et Benjamin. En ce temps-là, comble le vide avec un appel à témoins. Oui, si vous êtes tombé enceinte de votre premier bébé rapidement après l'arrêt de votre contraception, mais la deuxième grossesse s'est faite attendre, à partir de quand vous êtes-vous inquiété euh, Avez-vous consulté un spécialiste de l'assistance médicale à la procréation Si vous avez connu ce qu'on appelle une infertilité secondaire, venez partager avec nous votre expérience. Vous nous écrivez à l'mdm.com. C'est l'heure de pratiquer. Voilà, il vient de se réveiller, Auguste. Oui. oui. Alors, si vous n'étiez pas au début de l'émission, je vous présente Auguste. Bonjour. Oui, c'est toujours moi. Mmh. Ah oui, c'est toujours moi, c'est toujours la grande Et sa maman, Guillemette, il a six mois et demi, c'est ça Exactement. Et il est en train de faire sa, son adaptation à la crèche. Est-ce oui. que c'est un moment où vous appréhendez la séparation Oui, exactement. Euh, on a commencé euh, de le laisser euh, deux heures, puis trois heures. Et il y avait de l'appréhension, mais ça se passe bien. D accord. D accord. Là, vous l'avez déjà laissé tout seul J'ai laissé deux heures, hier. Ça s'est très bien passé. Vous êtes parti donc, à en pleurant ou pas Non. Parce que lui, ne pleurait non. pas aussi. Non, il ne pleurait pas. Ouais, c'est ça. J'ai pris soin de moi, qui dit... mais ça s'est bien passé. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Euh, docteur, quelle est la plus grosse crainte des, des parents la veille du jour J Alors, le, la veille de la grande séparation ben, On n'a pas envie de laisser son enfant à la crèche, c'est sûr. On a envie de rester à la maison, on a envie de le cocooner, on a envie de lui donner encore oui. plein et plein de choses. Il y a une étape, c'est une étape. C'est pareil quand on va le mettre à l'école. Il oh, faut oui. faire confiance. Il faut se dire que ben voilà, c'est dans les rails, c'est comme ça, on reprend le travail, ou il peut y avoir d'autres raisons. Et que tout va bien se passer, le mettre en confiance, et puis sur place. Le Personnel qui accueille est toujours très épatant. Qu'est-ce qu'on peut voilà. conseiller justement aux jeunes parents comme Guillemette qui sont en train de vivre ça alors Quelle préparation en amont ben, La préparation, c'est de. Ce... Là aussi, je parle souvent, c'est que l'enfant aussi se développe. Et l'enfant aussi ouais. a besoin de voir aussi autre chose. Et le fait de reprendre le travail vous permettra aussi de raconter d'autres choses aussi mmh. à votre enfant. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Il faut. Prendre que les choses positives et de se dire, ben voilà, mon enfant ne va pas forcément, je ne vais pas forcément rater plein de bonnes choses à la crèche. Il y aura des choses qu'il découvrira avec vous, des choses qu'il découvrira à la crèche. Voilà. Et alors pour une maman qui allait encore, euh, comment est-ce qu'on fait C'est quoi le, le, le choix qu'on doit alors, faire Alors c'est vrai que l'allaitement parfois c'est un peu compliqué, c'est pour ça que l'étape où on met un enfant à la crèche est très importante, ou chez une assistante maternelle, surtout quand il y a un allaitement complet, c'est s'il le faut habituer l'enfant à prendre un bibon de temps en temps avec votre lait quand mmh. la maman allait euh, et comme ça euh, ce sera moins compliqué au moment de l'adaptation euh, c'est de faire des allers-retours c'est de faire donner l'aliment l'aliment le lait ou la diversification si c'est le cas par quelqu'un d'autre et comme ça votre enfant s'adapte très bien c'est ce qui s'est passé d'ailleurs mmh. hein, pour les voilà oui l'adaptation ça sert à quoi ça, ça s'articule comment d'ailleurs comment ça se passe Mais moi je dirais adaptation soit les courtes soit les longues oui ça en fait c'est au feeling. Il y a des parents avec lesquels on va faire une adaptation un peu plus longue. Ah, vous croyez que les crèches ah, oui. s'adaptent ah, oui. Ah, oui, ah, Je pensais sûr. que c'était. Moi, mais... ça a toujours été. Ben, voilà, Pendant oui. une semaine, vous venez tous les matins. Ça dépend. Ça, dépend. ça. Mais Il y a des enfants, ça se passe bien. Puis, ça dépend aussi, si c'est un premier enfant, c'est un deuxième. Oui. S'il si mmh. y a déjà l'aîné qui est dans la crèche. Oui, il y a des tas de trucs comme ça mmh. qui comptent. Mais ça dépend de son âge aussi, j'imagine. Ça dépend de son âge, de l'âge de l'enfant. Il est évident que si c'est vers 8 mois, c'est difficile. C'est plus difficile parce qu'à 8 mois, lui, il n'a que 6 mois. C'est l'âge de l'angoisse de la séparation. c'est plus difficile. Mmh. Et pour lui, Auguste, ça oh, s'est très bien passé. Euh, vous diriez qu'il faut éviter justement les séparations 8-9 mois Disons que c'est vrai que les adaptations se font mieux avant 7 mois. Oui, c'est ça. Et après 15 mois, à la louche, 14-15 mois. Mais bon. Là, ça s'est bien passé, Limette. Impeccable. Oui, c'est ça. Je suis contente. C'est toujours difficile, c'est toujours une petite épreuve. Mais euh, voilà, c'était aussi un choix. Et euh, quelque part, euh, je sais qu'il s'amuse à la crèche. Donc, euh, maman est contente, papa est content. Euh. Et vie aussi. Ah, il y a aussi euh, un, une autre angoisse qu'on a parmi les millions d'angoisses qu'on a, mais on a pris pour perpète. Euh, c'est évidemment quand on le sort de son cocon. Ben oui. Ce sont les. Oui, voilà les maladies. Les petits... Alors les maladies, euh, euh, c'est vrai que à la crèche, on attrape plein de choses, mais c'est pas mauvais. L'enfant va fabriquer un peu son immunité. Mm -hmm. Il va, mais c'est évident qu'il fera plus de choses que s'il était à la maison. Parfois, il doit y avoir des exclusions de la, de la crèche. Mm -hmm. On voit défiler pour un certain nombre de maladies, pas pour la varicelle. Si ça, jamais ça lui arrive, on n'aura pas besoin. Mais des, vous voyez des maladies qu'on cite là où là, on est vraiment obligé de demander à l'enfant de rester à la maison. Et là, les parents évidemment doivent prévoir un plan B. Mais je pense que vous avez déjà un plan B, un plan C, un plan D, non on va y réfléchir. On va y réfléchir. <laughs> enfin, voilà. pas du tout. c'est pas évident. Hein. Regardez la tête de guillemette. Ouais. Un plan B. Ah non, ouais. C. Z oui. non plus. Ouais, oui. Ça, sûrement pas. Euh, alors, justement, comment ça se passe s'il tombe malade alors, la dé... crèche fait quoi alors Ça dépend de la maladie, bien sûr. Alors il y a des pédiatres qui sont attachés aux crèches. Donc ça. On vient, on est appelé quand il y a telle et telle chose. Euh, on va prévenir les parents. Il faut rester joignable. On vous a expliqué ça. Euh, si jamais il y a une forte fièvre, on sait géré. Mm -hmm. On peut donner. Le, le personnel de la crèche a le droit de donner un certain nombre de médicaments. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai ici un protocole que vous avez dû donner et fournir à la Exactement. crèche, certainement, euh, où nous expliquons que, d'une part, le, le protocole qui permet de rentrer à la crèche, d'une part, les vaccins sont obligatoires. Ça, c'est la chose oui. qui est importante. Mais où on peut donner des médicaments qu'on peut donner, comme le paracétamol, euh, des crèmes, euh, des colires s'il y a besoin, ou quand il y a des allergies, pour bien préciser qu'il ne faut pas donner tel et tel type de lait. Mais euh, à la crèche, il y a des initiatives qui sont possibles. On ne va pas tout de suite appeler les parents parce qu'il y a un petit bout de fièvre. Oui, c'est ça. On a, ça se on prépare, j'imagine, aussi avant voilà. avec les, les parents. Quoi. On prépare avec les parents et on évalue en fonction de la situation. Bon, euh, Arnaud, a, enfin, le docteur, a un train à prendre. Il faut qu'il rentre à Strasbourg. Non, mais je vous dis. Franchement, donc je vais vous laisser. Hein. Bah, oui, je suis oui. bien désolé. Mais non, mais oui. vous avez des patients, qui, voilà. des patients qui vous attendent. Voilà. Donc voilà, donc, je, je vous laisse partir. Ils mettent, oui. de toute façon, vous avez l'air hyper détendu. Ça va. Voilà. Il faut quand même aussi dire que parfois il y a des petits pleurs. Oui. Et que dans ce cas-là, oui. bah, on fait un câlin et on part quoi. On voilà. fait un câlin et on ne met pas 30 minutes pour partir. C'est ça, exactement. Parce que plus on reste, plus l'enfant va pleurer. Donc c'est un peu le, le souci. Il y a des moments, ils sont comme ouais. nous, en fait, ils ont leurs humeurs. Ils sont ouais. un peu moins. Voilà. Ouais. Ils mettent vous verrez que ça c'est pas marrant marrant ça je vous le dis mais Exactement. on l'a tous vécu moi je, je me souviens être sortie avec les, les surchaussures là tellement oui. j'étais perturbée comme ça dans, dans ma voiture et bien ah bah j'ai les surchaussures et là il l'école, récemment ça m'a fait la même chose j'ai pleuré et tout oh là là mais c'est vraiment on n'en sort jamais au revoir guillemets à bientôt au revoir. Euh, Marie Parano, on a eu quatre en plus hein. oui. que vous dire mais qu'est-ce qu'elle a fait encore qu'est-ce que vous faites mon petit chou écoutez je m'éveille ah oui, vous éveillez, enfin, il oui. était temps, hein, <laughs> ouais. à quelques 37 ans. <laughs> C'est l'heure de tester avec Marie les jouets d'éveil pour les plus petits. C'est pour toi ça Auguste, reste là. Ça, vous êtes très éveillé, vous ouais, voyez ce que je veux dire ça. Bon, alors Écoutez. <laughs> <Tout va bien. rire> Oui, mais de toute façon, tout va bien, Marie, Tout va tout Depuis tout toujours. Oh oui, dans ma tête, tout va bien. <laughs> alors, ça ce sont plein de jouets qu'on peut euh, offrir à des enfants, enfin vraiment les ouais, tout petits petit bébés. Petit, quoi. Voilà. En fait, j'ai essayé de répondre aux questions qu'on me pose le plus fréquemment, dont celle de Lola, qui me dit Comment est-ce que j'éveille un tout petit mm -hmm. bébé C'est-à-dire que son fils a 5 mois et demi, c'est pas forcément évident, il commence à peine à attraper les choses, on a l'impression qu'on va les surstimuler. Mm -hmm. Alors que nous, on rabâche toujours qu'il faut les éveiller sans les surstimuler. Donc, je vous ai fait une petite sélection, ma foi, de différentes choses. Mais mon premier conseil, j'en ai déjà parlé, c'est d'installer un coin éveil. J'entends plein de bruit dans mon oreille. Moi aussi, j'essaie je je de faire agiter, des signes, mais, mais, mais malheureusement, personne, personne ne me regarde. Merci. <laughs> Coupez-nous ce retour Merci, non, non, ça le tour. non, je vous en prie. Alors, le premier conseil, c'est d'installer. Alors, je ne sais pas si vous, vous aviez fait ça, moi, pas, pour les premiers, je l'ai regretté. Un coin éveil, pas chez moi, moi non plus. Voilà. Mais quel dommage, c'est un ben super oui. conseil à donner. Voilà, en fait, dans son salon, ou en tout cas dans la pièce où on se trouve le plus fréquemment, on installe un tapis pour isoler du sol. J'avais déjà fait un tuto à ce sujet, je vous invite à le regarder sur la chaîne YouTube ou sur le site de la maison des maternelles. En fait, lui dédier un coin avec un tapis isolant, une couverture ou un tapis d'éveil sur lequel on va disposer justement ces jouets d'éveil. On va varier, on va en mettre 4 ou 5 et ça va permettre à notre bébé d'aller chercher ses jouets de plus en plus. Hein, évidemment, à hein, deux mois, il ne va pas aller les chercher, mais en tout cas d'attirer son regard et de favoriser ce qu'on appelle la motricité libre, c'est-à-dire qu'on le laisse explorer son environnement. Donc je ne le faisais pas, vous ne le faisiez pas, <laughs> faites-le s'il vous plaît. Bah, oui, Merci. Donc j'ai disposé plein de petites choses qu'on va pouvoir mettre sur ce tapis. Ce type de choses, par exemple, est très sympa. C'est des chenilles. Oxybul fait énormément de jouets pour les petits à disposer sur le tapis d'éveil. Couleurs variées, bruits variés, touchés variés. Oui, il y a des petits... Oui, tous les petits petites choses. sont en éveil. Voilà, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans chacun des jouets. C'est ce que disait le docteur... First... Arnaud <laughs> euh, On n'a pas idée euh... <laughs> c'est de varier vraiment les jouets en essayant de faire travailler à peu près tous les sens de son enfant. Donc les balles sensorielles, moi c'est mon truc préféré. Ah oui, je sur-kiffe. Sur Alors là c'est des roux babous qu'on trouve chez Maman Naturelle. Elles sont douces, elles sont moelleuses. Vous voyez que celle-ci est crantée, celle-ci a des petits trucs. On dirait un peu un gros microbe. Hein oui c'est vrai. Mal. Voilà. Donc la soupe aux choux. Voilà. Pour les gens Très de ma génération. Bien. Oui. Pardon. <laughs> voilà, on a énormément de types de balles. Vous voyez qu'on peut trouver des petites balles en cuir animaux, on peut trouver des balles comme ceci. En fait, l'intérêt de la balle sensorielle, c'est qu'en plus, elle va être évolutive. Au début, on va la toucher, ensuite, on va la faire rouler. Donc, c'est un objet, un jouet qui va nous durer, parce que l'idée, c'est quand même de pas trop se ruiner. Ensuite, le conseil que je vais vous donner, c'est de privilégier des matériaux sains. De la même façon, je n'avais pas fait de nido j'avais acheté plein de petits trucs qui faisaient de pouet, pouet qui faisaient oui. des bruits, de la petite musique insupportable. Non. Vous aussi, je suppose, mais bien sûr, j'ai fait toutes les erreurs. Et puis faire attention aussi à la surstimulation. Donc on va être sur du basique, on va être sur du hochet en bois. Alors il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle ABBA, qui fait énormément de jouets pour les petits. Et là, on remplit vraiment toutes les caractéristiques. C'est du bois, évidemment, du bon bois, c'est ABBA, c'est allemand. On a les différentes couleurs, on a le petit son. Et surtout, c'est très léger. Vous voyez la sélection de hochets que j'ai fait. Donc ça, c'est du ABBA. Ça, c'est du Lane c'est chez Manipani. Tout est très léger, tout est facilement... Préhensible pour les petits. Donc voilà, à partir du moment où ils vont commencer à porter des choses à leur visage, on va rester sur des trucs légers oui. qu'ils peuvent porter. Ensuite, bon, vous avez des petites choses d'imitation. Pareil chez Manipani, comme le téléphone. Je sais qu'ils préfèrent nos téléphones. Enfin, ça, c'est quand même plus sympa. Et on va trouver ensuite chez HopToys des miroirs. Vous savez que j'aime beaucoup mettre des miroirs dans les coins éveil Pourquoi Parce que ce type de choses peut nous permettre, si vous voulez, de voir le beau gosse qui est en face. Par exemple, là, ah, c'est vous, Agathe. Non, non bah, oui, Benjamin, c'est pas beau gosse. Donc, ils existent en grand évidemment, ils existent en petit qu'on peut porter, disposer et ainsi sous les bébé Voilà, ils sont très légers, il peut les manipuler. Se ça regarder. on peut mettre ça, à la bouche important. sans risquer de prendre sans du plutonium risque, Exactement. C'est Objet qui hein. fait ça. Oui, oui, oui. Oh. Donc mes marques préférées, voilà, ça va être chez Manipani. On a énormément de choses bio, en, euh, évidemment écolo. On a Verbaudet qui fait une gamme de jouets en bois qui est très clean aussi. Ça c'est un petit peu pour les plus grands, mais vous voyez qu'on est toujours sur le même principe de la Ça couleur, adore. du son, voilà, de la manipulation. Et dernier conseil sur les cubes on évite bien sûr les cubes en bois qui pèsent 8 tonnes. On va aller chez lilliputien par exemple ou chez Oxybul, qui propose des cubes très légers avec différentes matières ou des cubes mous. Et je termine, je n'arrête pas sur les livres. Je vais vous en présenter quelques uns, mais l'importance de lire des livres, même à vos tout petits dès la naissance, des livres colorés, des livres qu'on peut mâchouiller pour découvrir l'objet et puis pour le plaisir de raconter. Merci Marie. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez, je ne sais pas, offrir des, des objets peut-être ou des jouets à des enfants plus grands, tous les tutos de Marie Arnaud sont sur le site de la maison des maternelles, la maison des tout, enfin, toutes les réponses à vos questions, normalement, se trouvent sur ce site, tout vidéo. Benjamin, le prénom du jour, WhatsApp Le that prénom dit... du jour est un très beau prénom. Le prénom du jour, c'est Stella. Stella, c'est un prénom latin qui veut dire étoile. Et alors, c'est l'équivalent latin du prénom Estelle. Ah d'accord Vous ne le saviez pas Oh non. pas du tout, j'en amène avec France, vous, je me cultive émission. chaque matin. Alors c'est un prénom qui est devenu populaire en Angleterre au XVIe siècle, c'était très prisé notamment dans la bonne société, vous voyez, dans le milieu des lettres, puis après dans toute la société, et c'est arrivé en France très tardivement, seulement dans les années 2000, avec environ 400 naissances chaque année. Aujourd'hui on fête les Stella le 11 mai, et alors des Stella célèbres... Stella McCartney ouais. Ah ouais, vous connaissiez parce que, mmh. bon, Stella McCartney, donc la, bah, fille, la fille de Paul McCartney, qui est styliste. Bah, elle est styliste, mais c'est enfin, enfin, une styliste. énorme styliste. Oui, ouais, ça va. Écoutez, chacun. Elle un est peu. fantastique. Elle est très engagée d'ailleurs euh, dans la mode bio, euh, voilà, ah, donc, éthique. Non, non, elle fait du bien à cette. et ben, on la mode. Si elle nous regarde, Bambe, il y a aussi Stella Banque, euh, qui euh, est une artiste peintre belge. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Oui, de ça c'est très gentil. Et Stella Belmont aussi, la fille de Jean-Paul. d'accord, très bien. oui. Et de Nati. La fille qui connaît tout en people. <laughs> Faites peur. Un bouquin, Marie, je vous oh, en oui. Est-ce que vous avez des enfants qui se mettent en short par moins 12 Oui, oui. oui. Euh, des, des enfants pas, qui veulent mettre pas, leur bonnet en pleine canicule. Oui, tout alors Agla, gla, couvre-toi, va expliquer à nos petits que quand il fait froid, on met une écharpe autour du cou. Quand il pleut des cordes, on ferme son ciré. Voilà, c'est un petit livre pour les enfants à partir de 18 mois qui va montrer comment on s'habille et qu'on met bien sa petite crème solaire quand il fait du soleil. Il est très très sympa et puis à manipuler comme toujours, comme on aime ça, c'est chez Casterman. Un autre petit. Oh oui, vous connaissez bien Marc Boutavant, oh, le père de Chien pourri entre autres et de oui, Ariol. Voilà. Bien sûr. Donc l'histoire du lion qui ne savait pas nager aux éditions Petit Glénat. C'est une super histoire d'un lion qui ne sait pas nager, sauf que tout à coup. La lionne est coincée sur une île et chaque animal va y aller de son petit conseil pour oh, lui apprendre génial. à nager. Donc les têtes sont évidemment géniales, les truites sont sublimes, la grenouille est truculente. Je ne vous dévoile pas la fin. Le lion va-t-il sauter pour sauver la lionne J'espère qu'il arrive à la sauver. Trop ah, de suspense pour je moi. Vous en ah, là, là. Pas plus à partir de 4 ans. Rythme cardiaque à 185. Ah, Il est temps de vous laisser. Vous avez nos pages sur les réseaux sociaux pour communiquer avec nous tous personnellement. On adore vous répondre. N'hésitez pas. Euh, si vous avez raté une séquence, direction le... Replay sur France.tv, bien entendu. Et puis, encore une fois, ce site 100% vidéo de la maison des maternelles.fr est à votre disposition 24h sur 24 si vous avez tout à coup un stress. Regardez, par exemple, le tuto sur la fièvre d'hier. Euh, bah, il y en a plein des tutos sur la fièvre que vous pourrez retrouver, par exemple. Rendez-vous, comme chaque matin, du lundi au vendredi à 9h. Bonne journée, bienvenue à Stella. Reproduisez-vous immédiatement si vous avez l'homme sous la main. Bisous. <laughs>